Donc salut à tous, nous voici au château Popkov. Il est quelque part en France. Ouais, il est assez connu. Hein, ouais, il est assez connu. Donc c'est une propriété privée, hein, bien sûr. On ne vous conseille pas de le faire, hein, ce qu'on fait. C'est interdit. Puis surtout que j'ai pas de casier de judiciaire, moi encore. Ouais. Pour moi c'est fait. Donc. Ouais. Donc, voici le château. Il est magnifique et aux alentours, donc il est au milieu de la ville, hein. Et aux alentours c'est comme ça. Moi j'ai un appel et ça m'embête. Donc Chris aujourd'hui c'est le photographe, il est beau gosse. Donc le château est mentionné au 11e siècle en tant que château fort sous le régime de Louis VI le Gros. Il est menacé alors de ruines. Le château fort primitif fut bâti sur un site stratégique sur le chemin de Rome, une route de pèlerinage venant de Paris qui se poursuivait vers Troyes par et vraisemblablement utilisé par les marchands qui se rendaient aux célèbres foires de Champagne et par les pèlerins, le seigneur y percevait un péage au passage sur son domaine. Donc il faisait payer dès qu'on passait la vache. Ah, quoique, il faut bien le rénover, hein. La vache. Il faut l'entretenir et tout. Donc, ouais, il faisait payer les gens. Donc, qui passait. Ben, on vous laissera un descriptif, de toute façon, du château. Et on mettra l'historique. Là, je vous ai dit une petite partie. Je sais pas où est partie ma deuxième moitié. Là. Noir. Chérie, t'es où ma biquette? T'es en haut? T'es en bas? Je sais pas, j'ai entendu en haut. T'es en haut? Ah, bah, c'est bien ce que je dis. J'ai entendu en haut. Donc. Sa caméra est différente de la mienne, donc j'enregistre, c'est bon. Wow. C'est spacieux, hein. En tous les cas, c'est magnifique. Et puis, donc ils ont mis. Oui, ils sont en train de le rénover. Ouais, ils sont en train de le rénover. Ouais, ah, mais il y a du taf, ouais. Il y a beaucoup de taf. En tous les cas, là. C'est bon. Enfin, c'est profond. Ah ouais, quand même. La vache. Donc, les tapisseries sont belles, hein.
avec les petits anges et tout, c'est pas mal. Hein. Bon, bah, notre future maison, non? Ah, ça serait bien. Hein? On sera bien. Ah, le chauffage, ouais. Bon, en été, c'est bien. Hein, c'est aéré. Donc, bien sûr, hein, la pratique urbex est interdite, du moins, est dangereuse et interdite aussi sur les lieux privés comme ça. Il faut toujours avoir des autorisations et tout ça. Donc, nous, on n'a pas eu d'autorisation, mais on essaye. On essaye quand même de faire des demandes et tout ça. Donc, voilà. Voilà comment que c'est magnifique. En fait, dans le temps, j'aurais aimé être à cette époque-là où c'était encore vivable, quoi. Et j'aurais aimé voir comment que c'était, surtout, comment dire, l'ambiance. Ça, toutes ces époques-là, j'aurais aimé être là, voir comment que c'était avant. Et là, franchement, c'est vraiment désespérant de voir les gens laisser les choses comme ça à l'abandon. C'est magnifique comme tout. Dégagé. Ouais, t'as vu. Et tu sais comment ils font pour dessiner les plafonds, les trucs comme ça? J'ai vu au château de Volvicomte quand j'y travaillais. Ouais. Le mec, en fait, il est suspendu. Ouais. Mais allongé. Et puis il dessine comme ça. Putain, il doit galérer, il est sur un plafond. Ouais. Mais il est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'ils font hein, pour dessiner. Parce qu'ils peuvent pas rester debout avec les bras en l'air. Ouais, bah oui. Donc il est obligé d'être allongé et puis de dessiner comme ça, allongé. Tu mords, putain, ah bah oui. Ça a le dos de tranquille. Hein. Ouais, ça va encore. Ça serait pas des plumes, ça, c'est. Ah ouais, mon avis, ouais. Ouais. Bah si, c'est la cheminée, ça. Ouais, ça, c'est une cheminée, oui. Elle est magnifique, hein, elle est grande. Spacieuse. Ah, c'est un très beau château. Hein. Mais bon, voilà l'état, quoi. Et il y a une association, là, qui sont là-dessus, quoi. Ouais, je sais, ouais. J'ai vu sur le site. Ils ont même une page Facebook. Ah, et regarde, celui-là, il est en bon état. Hein. Ouais. Ils ont même une page Facebook, ils ont 500 membres. Ah oui. Pour essayer de sauver le château. C'est cool. Ouais. Voilà comment que c'est à l'extérieur. Très, très beau terrain. J'y verrais bien mes chiens gambader là-dedans, moi. Ah moi, s'il me le donne, je veux bien, moi, le château. Hein. Oh, petite rivière. Ouais, c'est beau. Ah, mais non, c'est celui-là, pour venir. Ouais, c'est celui-là, ouais, que tu me disais. Ouais. Ouais, mais le gars, il venait d'où, lui? Parce qu'il était en vélo. Il a dû traverser tout ça, là. Ça se trouve, il se tape un grand chemin, ouais. Le parquet, ça va, il est encore là. Ouais. Ils sont pas venus le voler. Combien de temps? Ouais. Ils sont pas venus le voler. Tous les cas, je pense que tout le temps, il faudra faire attention. Et puis il y a le sous-sol aussi à visiter. Ouais. Bah, le sous-sol, on va prendre la lampe. Mais il est pas énorme le château, c'est vraiment un petit château. Hein. Ouais. Ouais, il est pas énorme, mais il est très beau. Hein. Avec le soleil, tu vas l'avoir dans la gueule. Non, je l'ai pas eu. Oui, non, mais parce que tu étais caché, mais si tu prends là comme ça, tu l'as dans la gueule. Bon, il y a des fuites, hein, comme Félicie. Félicie avait toute fuite. Et t'as vu comment ils sont obligés de tenir ça? C'est vraiment qu'il est en train de se casser la gueule. C'est clair. Donc vous voyez, il y a des barres, des tiges métalliques pour maintenir en fait les parois pour pas qu'ils s'effondrent. J'aimerais pas être le dernier à visiter le château. C'est clair, moi non plus. Oh là là, dans
un sale état, mon pauvre. Ce tapis-là, il est vraiment... Ouais. Bah, l'autre au-dessus, il est pire. Hein. Ouais. L'autre au-dessus. D'ailleurs, je crois que. Je sais pas si au fond à gauche. Passe pas. Ouais, ça c'est. Voilà, c'est trop short. Ouais, c'est trop short par là. Regarde, pour vous faire montrer un petit peu aussi. Enfin, toi plutôt. Plutôt toi, le trou là. Tout long là. Alors en fait, ça tient sur rien quoi. C'est clair. La couleur est même plus accrochée à la paroi. Ouais, c'est clair. Putain. Et là, on sent bien que là, le sol. Ouais. C'est pas à le cas. À la rigueur, les deux autres étages, bon, ça va. Ouais, mais celui-là, le dernier. Ce côté-là, hein, plutôt le côté droit, là, parce que le côté gauche, on y a été, ça va. Après, sur la surface en béton, ça va. Ouais. C'est très beau. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Allez, troisième, c'est bon. Ouais. Il reste quoi? Les sous-sols? Les sous-sols, là, ouais. Le sol qui est un peu le tour du château? Ouais. Bah, si on peut. Si on peut le faire, le tour du château. Ah, oui. T'as vu, c'est. En fait, là, t'as le trou séparé, là où t'avais la fosse. Regarde. Là, tu vois, t'as le trou en pierre. Ah, ouais. Et là-bas, t'as la grande grille. Je sais pas si on va la voir sur ta caméra, par contre. Si, ouais. L'entrée principale, quoi. Qui est là-bas. Ouais. En face. Où il y a l'église. Une sortie et. Ça, c'est quoi, ça? Bah, ça doit être pour la température. Ouais. Chauffage, une connerie dans le genre. Ok. Bon, vas-y, passe devant, je t'éclaire. On va arriver dans notre partie préférée. Ouais, les sous-sols. C'est un peu glauque. Oh, quoi que, mais là il fait du jour. Ouais, ouais, non, mais il y a des endroits. Ah, d'accord, ok. Il y a des endroits, il fait noir. Hein. Ah, et regarde, ils ont quand même installé tout le système réseau d'eau et tout ça. Là, il devait y avoir une salle d'eau parce que t'as vu, il y a les évacuations de toilettes là. Évacuation de toilettes. Là, il y a le réseau d'eau. Ouais, il y a un chien. Bah là, je vois pas grand chose. Wow, putain. Perdu l'équilibre. Tiens, là, t'as le... c'est pas un coffre-fort? Ah oui, c'est le conduit de cheminée. Coffre-fort. Merde. Enfin, tiens, c'est... Ouais, mais je suis dans le noir, moi, je vois pas. Ouais, et puis là, je suis pas... Non, t'as toutes les mains prises, là. Là, j'ai une main. Non, ouais. Non, c'est pas tiens pour le. Moi, j'ai le flash. Attends, parce que. Ouais. Voilà. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Eh, mais c'est pas le truc pour les bouteilles, ça? Si, c'est une cave. C'est la cave avant. La cave. Vous allez avoir le flash. Elle est vide. Ah, bah ouais, c'est clair. Putain, la vache. Ah, en tous les cas, même le sous-sol, il est pas mal. Hein. Donc les sous-sols d'époque, ils faisaient pousser quand même des champignons, des légumes, certains légumes, bah, tout ce qui aime l'humidité, et les fromages, tout ce qui se fait. Tout ce qui se fait dans les sous-sols, quoi, en gros. Hein. Il y a certains produits qui aiment l'humidité, le côté obscur et tout ça, de la force. Et donc, il y a même un système de ventilation là-haut, certainement pour ventiler le sous-sol, pour, je sais pas, hein, parce qu'après, je connais pas les cultures de champignons et tout ça. Tout ce qui se fait dans le noir, le fromage et tout ça, mais je sais que les sous-sols étaient beaucoup utilisés pour ce genre de trucs, les champignons, fromage et etc. Bon, et là, il y a une belle photo à prendre. Avec le continu. Ah, là. C'est magnifique, là, mais grave. T'as vu? Avec le continu, là.
Tu veux me faire un petit zoom sur la porte? Allez, stabilise-toi. Merde, je fous le spot devant la caméra. Ah là, c'est en bon état, là. Hein. C'est en très bon état, ici. Et là, t'as vu, t'as l'odeur. Ouais. C'est dommage que vous pouvez pas voir l'odeur. L'odeur de l'humidité. Ouais. C'est bien pour faire une petite danse. C'est son cocktail pedace. Chris fait son show. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Je danse le Mia. Pico pacotille. Chemise ouverte. Ah, ma dépense bleue. Ah, ma dépense bleue. Si tu aimes la danse, mets des poses bleues. Wow. Eh, hein? Hey, c'est pas une robe d'époque ça? Ou un rideau d'époque? Pas. C'est pas. Ah si, c'est des rideaux. C'est rideaux en velours. T'as su faire un couteau? Hein? Un couteau? Ah. Pff. Il est ouais. Pas d'époque celui-là. Non, il est pas d'époque le couteau. Tiens, toi, le professionnel des machines. Ah ça, c'est comment dire? C'est pour le chauffage, ça? Non. C'est pourquoi? Ben ça, c'est le conduit d'évacuation des chiottes. Ça, c'est comme une fosse septique. D'accord. Ah, c'est dégueulasse. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. C'est la vida. La vida loca. Et ça, pareil, c'est l'évacuation de la fumée, ça, non? Ou une prise d'air, oui. Ah non, mais c'est pas bon. Hein. Ça peut être une prise d'air. Ouais, ça peut être une prise d'air pour la cheminée. Ouais, puisqu'elle est de l'autre côté. Elle est de ce côté-là, la cheminée. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Non, mais ouais. C'est pas con. Hein. Ouais, je sais. Mais par contre, ça va jusqu'à de l'autre côté. Ça passe là, à travers. Mais là, c'est, on vient de là. Nous. Ouais, mais ça fait un passage. Ou alors, c'est un passage pour refroidir. D'accord. Parce que t'as vu, ça fait comme ça, là. Hop, et ça va. Généralement, de l'autre côté. Ça fait déjà froid, quoi. Ouais, mais s'ils avaient besoin d'encore plus. C'est pas le passage de l'escalier, ça? Si. S'il devait avoir un peu plus de froid pour, je sais pas, les cultures et tout ça. Comme je te dis, les cultures, il y avait beaucoup de champignons, de trucs comme ça. Donc ça se trouve, c'est peut-être pour ça aussi. Donc là, on est passé là. Et là, la table de malade. La table, je pense qu'elle est d'époque. Hein, parce que ça, ma cage pour la soulever. Et... Oh putain, regarde, elle est jolie. Elle. Alors les gens là, je sais pas ce que c'est. Si on a ça, c'est pas là où tu mets le blé, c'est ça, le blé. J'ai pensé à ça et tu tournes à ouais, ma mivelle. Ouais. Et pendant ce temps-là, je tournais dans ma mivelle. Là aussi t'as un truc là. Le gros truc. Ouais, c'est une jardinière. D'accord. Oh putain, ouais. Ça c'est une jardinière. Merci avec tes 8 tickets. Ça c'est les cailloux. Tu sais que ils sont obligés de reprendre les mêmes cailloux qu'à l'époque. Hein. T'as vu, ils ont mis des cailloux dedans. Ouais. Ben, des tomates. Ah, des tomates. Hein. Ah ouais, putain. Ah oui. La vache. Ah oui, des petits carrés, des petits machins. Ah, c'est pas mal, hein. Et donc ouais, là, les pierres et tout ça, donc comme je disais, les pierres, ils sont obligés de reprendre les pierres. Ça, c'est des meurtrières, ça? Ça, ouais, mais ouais, c'est con, ils ont fermé. Donc ils sont obligés de reprendre les mêmes pierres d'époque pour reconstruire. Ça, c'est partout pareil. Et je dis ça et je suis devant un mur en parpaing. Je dis, ils sont obligés de reprendre les pierres d'époque et tout ça. Et quand je dis ça, j'arrive là et puis je vois un mur en parpaing.
C'est vrai. Oui, gars. Ah ouais. Ouais. Mais en plus, je crois que c'est vrai. Non, mais je crois que c'est vrai parce que. Ah, regarde, c'est joli. Par ça. Rapport à Sarkozy au monument historique. Oui, oui, oui. Non, mais ça, je pense que ça doit être les murs porteurs, les murs extérieurs et tout ça. Là, c'est, ouais, c'est pour se l'idée. Eh, c'est quoi ça, c'est... Bah, là, alors là, les gens, si vous savez ce que c'est, moi, je sais pas du tout. En tous les cas, c'est entraîné par des poulies et un moteur qui est là. Mais c'est. Ouais, il est bien tendu encore. Il y a un aquarium. Ah, ben voilà. Si t'as envie de faire caca, tu peux venir ici. Il y a toilette. Et là, regarde. Il y a des toilettes. T'as toute l'eau qui passe tout autour du château. Sérieux ? Ouais. Et la porte, elle est belle. Regarde, là. Ah ouais, magnifique. Et toi, tu voulais faire le tour. C'est génial, ça. Ah, t'as un sale cul, là. Il n'a pas envie d'y aller. Tu sais, je pensais aussi de faire pour la chaîne de la spéléologie. Ouais, bah quand on a fait les carrières, c'était un peu ça. Ouais, non, mais de la spéléo, tu sais, dans les souterrains où il y a de l'eau et tout ça. Mais c'est pas un puits, hein, c'est... Mais ça se trouve, il y a un accès, hein. C'est un tunnel, hein, ça. Qui passerait tous. Il a été condamné parce que ça fait qu'un carré. Regarde, t'as vu la petite trappe? Oui, mais on y était dedans. Non, là à gauche, regarde le truc en ferraille. Ah ouais, c'est pas un conduit de cheminée extérieur. Je sais pas, en tout cas, je crois. Ah que c'est... si, non, c'est pour la suie. Ouais, et ça. Pour nettoyer, ça voilà, la suie, voilà, tout le charbon qui est resté dans le conduit. Ah bah là, c'est ça. Il stockait ça dans le trou là. Ah, je sais pas, ouais, peut-être. En tout cas, c'est bien, il y a plein de trucs à découvrir. Ah ouais, ouais. Ah, c'est génial comme tout. Là, il y a un passage. Je sais pas où est-ce que ça donne. Oh, il y a un trou, ça donne nulle part. Et là. Et là ça va à droite là-bas. Ah, je suis vraiment pas équipé pour ça moi. Ah, c'est juste pour accès à un robinet d'eau. Alors, hop là. Oh. Aïe, putain de ta mère, je me suis niqué la gueule. Ah, voilà, pour un réseau d'eau. Ah, oh, putain, je me suis niqué la gueule contre le caillou. Putain de merde. Je me suis cogné la tête. Bon, j'ai une casquette, j'ai pas de casque. Parce que bon. J'avais pas dans l'idée de me faire casser la gueule. La quoi ? À la table ? Hop là. Bon, bah, les sous-sols, je pense qu'on a tout fait. On a fait le tour. Non, je crois pas. Je sens qu'il y avait un passage à gauche. Passage à gauche. Là. Non, on y a été. On a été à droite, il y a les toilettes. C'est impossible, on a pas fait ça. Ah si. Bah si, hein. Ouais, t'as peut-être raison. Hey, c'est pas le château de Vincennes, hein. Oh, tiens, tu veux une échelle. Oh purée, on cherchait une échelle tout à l'heure, bordel, mon gueule. Oh là là. Ah oui, peut-être t'as raison. Ma gueule. Ah ouais, si, on a tout fait. Hein. C'est con, on aurait aimé rester plus longtemps. Je vais y revenir, moi. Mais là, pour le paranormal. Donc, après, la personne avec qui je vais venir, je sais pas si elle va vouloir sauter le mur. Ah ouais. Je sais pas. Je sais pas, donc je verrai ça avec la personne. Et sinon, ouais, magnifique château. Et puis, bah, toujours un peu malheureux de... Un peu
triste de le voir dans cet état. Toujours un peu con de détruire un château aussi magnifique que celui-là. Oh putain, regarde, ça fait une super photo là. Ouais. Avec le courant d'eau là. Mais ça aurait été mieux, tu sais, c'est à hauteur, tu vois. T'aurais pris comme ça, là, ça aurait été bien. Et un peu plus bas. Et là, tu dors, mais encore plus bas. En dessous du ah du pont. Ouais, bah, c'est ça que je te parle. Ouais, sortez les maillots de bain. Ouais. Ça aussi, c'est joli à prendre comme ça. Ouais. En hiver, avec la brume et tout ça, ça doit être encore plus joli. Quand il y a la neige et tout. Ça doit être magnifique. Hein. Ouais, du coup, il y a toujours la bâche, hein, elle est toujours là. Ouais. La bâche bleue, là, c'est pour le toit. Ouais, les bâches, ouais. De toute façon, hein, comme d'habitude, on vous mettra un descriptif au début. Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit une partie parce que c'est vrai que là, ce que j'ai pris en capture d'écran sur l'historique, il y a beaucoup les lieux voisinants. Ouais. Il y a beaucoup les noms des lieux de voisinants. Et bah, le village qui est aussi énoncé plusieurs fois dessus. Donc, c'est chiant. Là, c'est clôturé. Tout à l'heure, on avait filmé des... des cagettes et... Et du coup, bah. Ouais, il y avait la ville d'à côté qui voilà, était dessus. Voilà, donc ça sera pas présent. Alors, il y aura un côté des cagettes pris en photo. Est-ce que t'as pris le côté, un côté ? T'as parlé un peu de ta chaîne, non ? Ta chaîne à toi ? Ma chaîne ? Paranormal Ghost Spicers ? Ouais. Ouais, bah tout le monde la connaît. Chaîne de paranormal. Qui ne connaît pas les chaînes de paranormal ? Bah non, mais si vous connaissez pas la... Non, mais en tous les cas, c'est authentique. Il n'y a pas de fake, il y a pas de... C'est vraiment ce qui se passe. Il n'y a pas d'effets spéciaux, ni rien. Donc voilà, je suis pas comme les autres. Je ne citerai pas les noms. Pour les nouveaux abonnés, ceux qui aiment bien le paranormal, vous pouvez aller sur la chaîne à Daniel, c'est Paranormal Ghost Facers. Comme Ghostbusters. Ouais, l'anglais, c'est pas trop ça. Non. Et voilà, c'est sûr. Voilà, c'est sur ma chaîne. Et puis, j'ai la deuxième chaîne. C'est garanti, no fake. No fake, ouais, c'est clair. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. C'est certifié. Les arbres, ils doivent être beaux quand... Ah, quand ils sont en fleurs et tout, ouais. C'est clair. Bon, bah, ciao, ciao, la famille. On vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ouais. Big up. Ciao.